Le film commence avec trois femmes se promenant, l'une d'entre elles, Saya Suzuki, exprimant son intérêt pour se faire lire son avenir. Mais Saya est déçue du résultat de la lecture, ses amis la rassurent alors en lui disant qu'elle rencontrera son âme sœur. Soudain, Matsuzawa crie en voyant une publicité mettant en vedette le célèbre acteur Haruki sur un grand écran, car elle est une grande fan de Haruki. Saya remarque quelque chose d'étrange dans le comportement de Haruki. Sa mémoire lui fait alors flashback à l'époque où elle et Haruki étaient adolescents, cherchant un trèfle à quatre feuilles comme symbole de chance. Sur le grand écran, Haruki dit qu'il va rencontrer quelqu'un, ce qui amène Saya à croire qu'il parle d'elle. Ce matin-là, Saya est en retard pour son travail dans un hôtel de luxe, où elle travaille au département de planification d'événements. Saya est une belle jeune fille connue pour sa nature insouciante et son innocence. À son arrivée tardive, Saya se fait réprimander par son patron, Suzumu Shuge, qui la réprimande souvent pour son insouciance. Peu de temps après, Saya commet à nouveau une erreur. En accueillant un client étranger affamé, elle se trompe dans la commande de nourriture du client. Saya s'excuse ensuite pour corriger l'erreur et croise Shuge, qui la surveille. À ce moment-là, Shuge la réprimande à nouveau et Saya accepte la réprimande tout en s'excusant. On peut voir que Shuge est le genre d'homme discipliné, travailleur, indifférent et très froid. Après cela, Saya essaie de retrouver la commande du client étranger dans les magasins de nourriture fermés. Malgré avoir surmonté le problème, elle craint toujours d'être réprimandée à nouveau par Shuge, après qu'il lui ait demandé d'attendre dans le hall. Lorsque Shuge apparaît, Saya lui conseille immédiatement de ne pas être excessivement en colère. Cependant, Shuge la critique à nouveau pour sa mauvaise mémoire. Entendant cela, Saya proteste légèrement, mais Shuge lui demande inattendument de sortir avec lui. Entendant cela, Saya est confuse et surprise, tandis que Shuge, d'un ton calme, explique qu'il ne veut pas perdre de temps avec des rendez-vous inutiles et préfère se marier immédiatement. Il pense que Saya est adaptée pour être sa partenaire parce qu'il la considère comme la moins irresponsable. Il s'avère que Shuge avait un plan pour faire avancer sa carrière à l'étranger, et avoir un partenaire faciliterait la réalisation de ses rêves. Le lendemain, Saya, qui vient de finir son travail, était en train de regarder un film avec Haruki sur son téléphone, tout en se remémorant son premier amour. Soudain, un collègue l'informe au sujet d'un artiste qui a laissé ses affaires et demande l'aide de Saya pour les lui rendre. Peu de temps après, Saya arrive dans la chambre de l'artiste et sonne à la porte. Après avoir attendu, la porte s'ouvre enfin, révélant une belle femme aux longs cheveux qui semble contrariée par la présence de Saya, après que cette dernière lui ait suggéré de laisser ses affaires à son manager à la place. Entendant cela, Saya reste silencieuse mais est surprise après avoir accidentellement vu Haruki, son premier amour, qui venait de finir de se doucher à l'intérieur. Le cœur brisé, Saya rentre chez elle après le travail et croise Shuge. À ce moment-là, elle appelle Shuge et lui suggère immédiatement d'essayer de sortir ensemble pour une seule nuit. Mais Saya est confuse lorsque Shuge reste silencieux, ne répondant pas à sa proposition. Se sentant gênée, Saya s'excuse rapidement, mais elle est surprise lorsque Shuge accepte son invitation. Ensuite, ils boivent ensemble, où Saya se confie à Shuge au sujet de son premier amour au collège impliquant Haruki. Peu de temps après, Monsieur Matsushita, l'un des cadres de l'hôtel, apparaît pour rencontrer Saya et l'informe à propos de l'invité de la Saint-Valentin qui s'avère être Haruki et son partenaire. Monsieur Matsushita confie alors à Saya la gestion de l'événement, qui s'avère être un succès. Alors que Saya s'apprête à écrire une note de félicitations à Haruki, celui-ci apparaît soudainement et saisit la note. Saya est surprise lorsqu'Haruki suggère de parler directement au lieu d'échanger des notes. Elle essaie de récupérer sa note, mais Haruki la lit et la met dans sa poche. Saya est surprise que Haruki se souvienne encore d'elle et lui demande s'il sort avec l'artiste. Haruki clarifie qu'ils ne sortent pas ensemble car ils font juste semblant. Haruki demande alors à Saya si elle a un petit ami, où elle pointe Shuge. Alors que Saya essaie de l'appeler, Shuge semble ne pas entendre et entre dans l'ascenseur. À ce moment-là, Haruki taquine Saya pour être ignorée par son propre petit ami. Un soir, lors d'une sortie du personnel et d'un dîner, Saya remarque Shuge assis seul. Elle s'approche alors de lui, lui sert un verre et plaisante en remarquant qu'il est solitaire. Saya s'irrite lorsque Shuge reste silencieux, mais il la surprend ensuite en l'invitant à partir. Nerveuse, Saya suit Shuge jusqu'à sa chambre, où il lui demande ce qu'elle veut dire. Saya interroge alors ses motivations pour l'avoir invité, suspectant qu'il pourrait s'agir d'une plaisanterie. Shuge répond sarcastiquement, lui rappelant qu'il avait déjà expliqué ses intentions. Le lendemain matin, Kazuyo révèle que leur patron, alors ivre la veille,
a mentionné vouloir rétrograder Saya en raison de son manque d'attention, mais Suga est intervenu pour l'en empêcher. Sachant cela, Saya commence à développer des sentiments pour Suga, bien qu'elle reste incertaine quant à leur relation. Plus tard, alors qu'ils sont seuls lors d'une balade en bateau à canards, Saya observe Suga aider une autre employée de l'hôtel à récupérer son chapeau. L'employée tente d'embrasser Suga, ce qui pousse Saya à tomber accidentellement dans l'eau et à commencer à se noyer. Sachant cela, Suga la sauve immédiatement. En se réveillant, Saya trouve Suga assis à côté d'elle et la réprimande pour toujours se mettre dans des ennuis. Elle écoute en silence alors que Suga se lève, s'incline devant elle et l'embrasse, exprimant ses sentiments. Bien que contente, Saya reste silencieuse. Le lendemain, elle croit que le comportement de Suga a changé, mais en retournant au travail, Suga reprend son attitude indifférente et distante envers elle. Le lendemain matin, Saya voit Suga par hasard, essayant de paraître indifférent, mais Suga l'appelle. Il lui demande alors de passer en revue un rapport et par sans dire plus. Alors que Saya ouvre le rapport, elle est surprise de trouver une note de Suga l'invitant à un rendez-vous à 19h, ce qui la rend heureuse. Ce soir-là, Saya arrive à l'endroit désigné, souriante et faisant signe à Suga. Ensuite, ils marchent main dans la main sous les pétales de cerisier, profitant de la nuit, et finissent par passer la nuit chez Suga. Le lendemain, Suga aide à sécher les cheveux de Saya, confirmant qu'ils sont effectivement en couple lorsqu'elle demande. Après cela, Saya suggère d'aller dans un parc d'attractions, se sentant un peu nerveuse lorsque Suga reste initialement silencieux, mais ravi lorsqu'il accepte. Au parc, malgré l'expression indifférente de Suga, ils s'amusent ensemble. Le lendemain, on voit Suga discuter avec son patron, le propriétaire de l'hôtel, Yoshimichi. À ce moment-là, Yoshimichi demande à Suga de gérer leur prochain hôtel en France, ce qui surprend Suga, qui n'a d'autre choix que de se plier. Car il sait que Yoshimichi rétrogradera quiconque désobéira, comme on l'a vu avec M. Matsushita, maintenant chauffeur. Le lendemain, on voit Saya discuter avec Matsuzawa et Kazuyo, où elle se sent gênée de demander à Suga quelle est sa date d'anniversaire. À ce moment-là, Matsuzawa suggère d'être direct, mais Saya hésite, trouvant cela trop direct. Ensuite, Kazuyo propose l'idée d'un double rendez-vous, suggérant qu'elle en parlera subtilement à Suga. Entendant cela, Saya accepte le plan. Pendant ce temps, Suga et Yoshimichi vont rencontrer un client dans un restaurant où ils rencontrent Shuri, la sœur cadette de Yoshimichi, qui est à un rendez-vous arrangé. À ce moment-là, Shuri est immédiatement intéressée lorsqu'elle est présentée à Suga. Finalement, Shuri se met en colère lorsque Suga la taquine, mais elle est impressionnée lorsqu'il l'aide après qu'elle ait accidentellement heurté un serveur. Suga accompagne ensuite Shuri à l'hôpital et veille à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité dans un taxi. Le lendemain matin, dans le vestiaire des femmes, une des employées de l'hôtel partage des potins sur le fait d'avoir vu Suga marcher de près avec Shuri et prendre un taxi ensemble. En regardant le menu, Saya remarque que Suga s'éloigne parce qu'il a reçu un appel téléphonique. Voyant cela, Saya se sent curieuse mais hésite à demander. Il s'avère que Suga reçoit un appel de Shuri, lui demandant de la rencontrer de toute urgence. Bien que Suga soit hésitant, Shuri semble intéressé par son caractère froid et distant. Pendant ce temps, on voit Saya vérifier son agenda et voir son programme de double rendez-vous avec Kazuyo, mais elle reçoit ensuite un message de Haruki lui demandant de ses nouvelles et lui rappelant que demain c'est son anniversaire. Peu après, Saya retrouve Haruki pour un repas dans leur café habituel. Il se remémore un peu leur passé, et Haruki lui offre un jouet en peluche comme cadeau d'anniversaire. Plusieurs jours plus tard, lors du double rendez-vous, Kazuyo aborde Suga avec une question sur son anniversaire. À ce moment-là, Saya entend et apprend que l'anniversaire de Suga était il y a 2 semaines. Rapidement, elle part chercher un cadeau pour lui. Devant la boutique de cadeaux, Saya est ravie de voir Suga la chercher, mais elle est déçue lorsqu'il la réprimande pour être partie sans rien expliquer. À ce moment-là, Saya demande à Suga s'il sort avec Shuri. Mais Suga nie, expliquant que c'était un ordre de Yoshimichi. Conflitée, Saya part immédiatement, et son cadeau tombe. Le lendemain soir, Saya attend Suga devant son appartement, où elle est ravie de le voir porter l'écharpe qu'elle a achetée. Suga lui donne ensuite une bague comme cadeau d'anniversaire, choquant Saya car il connaissait sa date d'anniversaire. Après cela, Suga fronça les sourcils et se demanda pourquoi il avait dû inviter Saya au double rendez-vous alors qu'il voulait lui donner la bague directement. Entendant cela, Saya sourit et le remercia, mais Suga resta silencieux comme d'habitude. Ensuite, ils passèrent la nuit chez Suga. Peu de temps après, Suga partit finalement pour Paris,
où Saya travaillait avec diligence et lui envoyait souvent des messages. Mais il ne répondait jamais, se contentant de les lire. Lors d'un appel vidéo, Saya demanda à Shuge s'il reviendrait pour le mariage de Kazuyo, mais avant qu'il ne puisse répondre, Shiori apparut brièvement, et Shuge mit fin précipitamment à l'appel. À ce moment-là, Saya était déçue et curieuse, mais elle ne pouvait rien faire. Ensuite, elle se plaignit à Haruki lorsqu'ils se rencontrèrent, trouvant les relations à distance difficiles car elle ne savait pas ce que Shuge faisait là-bas, ce qui la rendait mal à l'aise. Entendant cela, Haruki suggéra à Saya de faire confiance à Shuge, pensant qu'il pourrait cacher quelque chose pour l'empêcher de s'inquiéter. Haruki la rassura également en lui disant que même si Shuge ne l'exprimait pas, il pensait sûrement à elle. Saya se sentit soulagée après avoir parlé à Haruki, sans se rendre compte qu'il était photographié par des paparazzis. Peu de temps après, Shuge est enfin rentré au Japon, où Yoshimichi est en colère et jette un magazine contenant un article sur Saya et Haruki. À ce moment-là, Shuge tente de défendre Saya, suggérant qu'il doit y avoir un malentendu. Mais Yoshimichi quitte immédiatement les lieux, suivi par Shiori. Shuge interrompt alors, mentionnant qu'un de ses subordonnés se marie aujourd'hui. Mais Yoshimichi demande sarcastiquement si le mariage est plus important que lui et part sans attendre la réponse de Shuge. D'autre part, la cérémonie de mariage de Kazuyo était animée, mais Saya se sentait troublée car Shuge n'était pas venu. Se sentant déçue, elle est rentrée chez elle. Haruki l'approcha alors, et Saya, paniquée, l'emmena dans un endroit calme. À ce moment-là, Haruki voulait s'excuser pour l'article et tout expliquer à Shuge. Ensuite, ils sont allés à son appartement. Pendant ce temps, M. Matsushita appela précipitamment un taxi, où Yoshimichi apparut, suivi de Shuge, qui aidait Shiori, ivre et chancelante. Après une réunion, il ne savait pas où Shiori habitait dans son état d'ivresse. À ce moment-là, Shuge décida de l'emmener à son appartement. Peu de temps après, Saya et Haruki arrivèrent à l'appartement de Shuge au moment où un taxi s'arrêta, et Shuge en sortit avec Shiori. Des malentendus surgirent entre eux, et Haruki confronta Shuge après avoir été incapable de contrôler sa colère. Il le frappa immédiatement jusqu'à ce que Shuge tombe. Voyant cela, Saya essaya d'aider Shuge, tandis que Shiori partit. À ce moment-là, Haruki espérait que Saya partirait avec lui, mais elle insista pour parler seule avec Shuge. Dans l'appartement de Shuge, Saya demanda pourquoi il était avec Shiori. Mais, au lieu de répondre, Shuge retourna la question à Saya, lui demandant pourquoi elle était avec Haruki et lui dit de ne plus voir Haruki. Saya refusa car Haruki était son ami. Entendant cela, Shuge semblait réaliser ce qui se passait et décida qu'il était préférable pour eux de tout arrêter. Le lendemain, à l'hôtel, M. Matsushita apparut avec un sourire heureux car il avait été réintégré en tant que patron, mais le bureau de Saya était vide, où la liste de présence montrait que Saya était en congé. Ce soir-là, Saya rentra du café et trouva Haruki qui l'attendait devant sa maison. Bien que Saya ne voulait pas le rencontrer et lui demanda de partir, Haruki resta là. Ensuite, Saya attrapa précipitamment un parapluie pour protéger Haruki de la pluie, puis l'invita à l'intérieur et lui offrit une boisson chaude. Cette nuit-là, tous les deux ne pouvaient pas dormir car ils étaient perdus dans leurs pensées. Le lendemain, Saya accompagna Haruki à la gare. Là-bas, Haruki fit une pause et avoua qu'il ne pouvait plus supporter son amour pour Saya. Tout en tenant la main de Saya, ils montèrent ensemble dans le train en mouvement. Peu de temps après, ils arrivèrent à une église qu'ils visitaient souvent lorsqu'ils étaient adolescents. Là, Haruki exprima ses sentiments à Saya, il voulait même l'embrasser, mais Saya refusa. Ensuite, Haruki emmena Saya se promener dans le vaste champ verdoyant. Soudain, Haruki s'approcha de Saya avec excitation, lui présentant un trèfle à quatre feuilles qu'il avait trouvé. À ce moment-là, il appela joyeusement le nom de Saya et exprima son affection. Haruki encouragea ensuite Saya à faire de même, mais elle avança et exprima ses frustrations à propos de Shuge. Rendant le trèfle à quatre feuilles, elle fit comprendre qu'elle n'avait plus de sentiments pour Haruki. Saya exprima alors sa confiance à trouver son propre bonheur et remercia Haruki pour son aide. D'un autre côté, se sentant troublé, Shuge demande à Shiori de l'épouser, voyant cela comme un moyen de faire avancer sa carrière. À ce moment-là, Shiori accepte, mais à condition que Shuge passe la nuit avec elle. Entendant cela, Shuge refuse, mais Shiori glisse secrètement des somnifères dans son verre. Le lendemain matin, Shuge se réveille pour trouver Shiori agissant affectueusement envers lui, insinuant qu'il avait passé la nuit ensemble. Shuge est également agacé lorsque Shiori le menace de révéler cela à Saya. Peu de temps après, Yoshimichi arrive pour emmener Shiori, laissant Shuge derrière lui,
visiblement bouleversé et regrettant d'avoir été influencé par les charmes de Shuri. Peu de temps après, la nouvelle des fiançailles de Shuge et de Shuri se répand rapidement dans tout l'hôtel, atteignant Saya. Après cela, le père de Shuri confie formellement sa fille à Shuge en s'inclinant, le perturbant encore davantage. Peu de temps après, M. Matsushita entre dans le bureau et annonce que tout le monde doit se rassembler au Royal Garden pour célébrer les fiançailles de Shuge et de Shuri. Malgré le court préavis, M. Matsushita demande à tout le monde de se préparer pour la fête. Alors que Saya, remplie de chagrin, participe à contre-cœur aux préparatifs. Perdue dans ses pensées, elle entre en collision par accident avec un membre du personnel portant du matériel alimentaire. En ramassant les fleurs dispersées, elle découvre inopinément un trèfle à quatre feuilles, ce qui la fait fondre en larmes. D'un autre côté, Shuge était vu scrutant la zone depuis le balcon, et les applaudissements s'interrompent brusquement lorsqu'il appelle le nom de Saya. À ce moment-là, il avoue qu'il n'en a plus rien à faire et s'excuse d'avoir douté de l'amitié de Saya avec Haruki. Shuge admet se sentir jaloux de ceux qui ont de beaux passés et révèle sa décision de mettre fin à ses fiançailles avec Shuri. Il craint des conséquences telles que d'être envoyé dans un endroit lugubre ou même de perdre son emploi. Descendant précipitamment les escaliers, Shuge s'approche de Saya, observé par leurs collègues. À ce moment-là, il lui avoue son amour et demande à Saya de l'épouser. Les larmes aux yeux, Saya étreint Shuge et il la serre dans ses bras. La foule applaudit joyeusement, accueillant le nouveau couple. En voyant cela, Shuri se remémore l'ancienne supplique de Shuge d'annuler l'événement de fiançailles, et à contre-séhure, elle supprime toutes les photos de Shuge de son téléphone avant de partir. Yoshimichi appelle alors Shuge et le félicite en tant qu'homme exceptionnel. Il admet qu'il ne renverra pas Shuge de l'hôtel en raison de son travail remarquable. En même temps, Saya reçoit les félicitations de ses amis. Soudain, M. Matsushita, ivre, étreint Saya par derrière, la surprenant et faisant tomber le trèfle à quatre feuilles qu'elle tenait. Saya essaie de récupérer le trèfle, cherchant sous la table. Elle sourit alors en le trouvant et tend la main pour le saisir, mais Shuge tend également la main. Voyant cela, Saya sourit et donne le trèfle à Shuge et se penche pour embrasser Saya. La morale de l'histoire est donc, ne laissez jamais tomber le trèfle à quatre feuilles de votre bonheur, surtout s'il y a un risque de le perdre sous la table pendant un câlin.